Bon dimanche, un nouveau vlog qui commence. Là, il faut que je m'habitue à filmer dans un autre angle, donc ça implique que je dois regarder ailleurs, faut que je m'habitue. Fait que si vous voyez que j'ai les yeux cross-eyed, c'est possible. Fait que là, j'arrive d'une petite séance de magasinage, parce qu'on va se dire, hier, je sais pas si c'était mon vaccin ou quoi, mais j'étais pas tant en forme. Mais là, ça va mieux. Alors, je suis allée chez Winners. Et je me suis trouvé des affaires. C'est pas possible. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez bien. Ça va coûter une fortune, mais qu'est-ce que c'est? Fait que là, je me suis trouvé ce kit magnifique de 3 tables pour le salon. Ensuite, j'ai trouvé... Attendez. Cette magnifique plante que je vais mettre dans ce magnifique vase. C'est tellement beau. Attendez, parce que ça a l'air de rien, mais c'est assez lourd. Et ensuite, on est allé chez Bird Barn. Je sais, je ne prononce pas comme il faut, mais c'est pas grave. Acheter le fameux popcorn au caramel. Ensuite, je me suis fait influencer par mon ami Jean-Marc. Souvenirs d'enfance, des fils, des petites réglisses. Ensuite, pour Joss et Simone, des petites pistaches salées, des petites peppermint roses. Il y a du monde ici qui aime ça. Et pour Simone, encore une fois, des mini rouleaux. C'est ça. De la poudre de chili, parce que j'en avais pas, c'est un peu moins amusant. Ensuite, ça s'est pas arrêté là. J'étais allée au Jean Coutu. Et j'ai acheté une thermacelle avec des refils. Parce que, tu sais, moi cette semaine, j'étais allée m'asseoir 5 minutes dans ma balancinette. Je me suis piqué sur le pied, je me suis gardée toute la soirée. Fait que c'est ça. Et je me suis fait... j'ai écouté un vlog d'une influenceur qui disait que ses ongles-là, Impress, tenaient vraiment bien. Puis la fille au cosmétique de Jean Coutu, elle me l'a confirmé. Elle dit qu'il était excellent. Alors, je vais les essayer. Puis j'ai acheté des collants comme ça au cas que ça décolle. Alors, à suivre! Mardi soir, on est venu voir quoi les enfants? Les moutons! On est venu voir les moutons sur Gouin! On fait comment? Par ici, on va répondre là. Ils vont sortir, ils... dimanche ils nous ont tellement fait. Ils traversent Gouin! C'est le seul côté à bloquer. Après les biquettes, on a découvert un nouveau parc. C'est tellement bien fait, là. C'est un peu comme le centre Laval, là, tout rembourré, là. Puis c'est tout des jeux nouveaux. Ça fait vraiment différent des parcs qu'on est habitué d'aller. Je ne vais pas tout vous filmer, là, parce que je ne vais pas filmer les gens, mais c'est vraiment bien. Vous allez vraiment être tout croche après, OK? Débarquer puis essayer de marcher normalement, bon? Ça va? Oh, Camille, t'en mets pas pantoute. Alors, c'est bon. J'ai reçu ma dernière boîte Zen Pop de mon amie Marie-Ève. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai juste détaché. Je vais la découvrir en même temps que vous! Oh! Approche-toi, Simone, qu'on voit ça. Alors, là, j'ai un code promo. J'imagine, vu qu'ils savent que mon 3 mois est terminé. Alors, regardez-moi ça. Hey boy, il y a du stock ici, mes amis! Alors, écoutez, je peux pas vous dire là c'est quoi, mais je vais juste vous montrer, puis je découvrirai ça après. Alors, j'ai ça. Ça ici.
Oh, regardez ça, c'est beau! Sérieusement! Comme un petit genre de gâteau, je sais pas trop. Ici, oh, des petits bonbons! Ici, d'autres petites gâteries qui ont l'air d'avoir du chocolat dedans. Et ça, Tom et Jerry! Une autre soupe ici. Ramen. Non, c'est peut-être même pas une soupe, c'est peut-être juste du ramen, je sais pas. Et des croustilles. Des croustilles, pardon. Écoutez, à je ne sais pas quoi. Il faut que je lis les instructions. Salé et sucré. Biscuit salé, sucré. Ça, je le comprends puisque c'est en anglais. Ok, voilà, c'était ça qu'il y avait à l'intérieur de ma boîte. J'aime pas. Bon jeudi soir! Écoutez, tout ce que ça m'a pris, essayer de vous patenter pour que ça tienne puis que j'aille pas trop la tête coupée. Fait que ça va donner ça, OK? C'est avec ma machine à eau en arrière puis tout. C'est ça, le décor du jeudi soir. Regardez! Encore une autre! Vous allez me trouver psycho, hein? Mais c'est ça, c'est que j'avais fait... quelques commandes, puis ils sont pas arrivés toutes en même temps. Fait que la dernière fois, je vous ai montré ce que j'ai reçu dans la commande. Puis là, c'est comme la partie numéro 2. Fait que je vais vous découvrir ça avec vous. Là, j'ai vraiment essayé des choses différentes, puis des choses que je connais maintenant. Alors, allons-y. OK. Pour les petits ventilateurs, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, je vais avoir des petits ventilateurs portatifs que je vais mettre dans mon auto qui se branche avec une clé USB. Fait que c'est ça les petits. Ben un peu comme je vous avais montré là, le ventilateur Spider-Man de Charlie. C'est comme ça là, les petites granules là, qui sent bon que tu mets. T'sais, c'est pas de la cire. Fait que j'ai commandé Gogo Mango, mandarin et mango nectar. Et Amazon Rain. Ça sent déjà juste à ouvrir la boîte. Ensuite, ça aussi, ça, j'avais jamais commandé ça encore. Ça, c'est du parfum d'ambiance. Push-push. Plumeria Peach. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon, il y a un peu de soleil, un peu de non-zoomage. Mais en tout cas, vous voyez. Push, push! Voilà. Ensuite, ça aussi, c'est une autre affaire que je voulais essayer. La crème à raser, tu sais, en attendant que je me fasse laserifier au mois d'octobre. Fait que Blue Agave et Melon. Je pense que c'était l'odeur du mois de juin, je pense. Ou moins. Mettons, je sais pas. Fait que ça, c'est une autre affaire que je vais essayer. Ensuite... Ah, j'ai commandé un autre sucre exfoliant, mais là, j'ai commandé Blue Agave, là, la même chose que la crème de rasage. C'est comme le package deal. Ça. Ensuite, non mais, le nettoyeur pour comptoir, mandarine et mango nectar. Ça fait fou l'été en plus, hein? Mon Dieu, t'as le goût de faire du ménage, hein, quand tu fais 40! Ça, c'est le savon à vaisselle. J'ai bien hâte de l'essayer. J'espère juste que ça va pas. Tu sais, des fois, t'achètes le savon à vaisselle, là, tu sais, aux pommes vertes, là. Ah, puis après, si moindrement que tu rinces pas très bien ta vaisselle, ça goûte la pomme verte, là. Ah, ben là, il est bien fermé. Je peux pas le sentir, hein, tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, oh, oh! Mon Dieu! C'est un emballage spécial, ici? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est là-dedans? Je m'en rappelle pas pantoute. C'est quoi? Suspense. Ah! Ah! Oh! Ouh! Ça sent le parfum là-dedans, les amis! Alors... Ah! Oh, c'est pour pas qu'il fonde! Fait qu'il y avait de la glace, parce que c'est des... Ben, c'est ça, parce que, tu sais, il fait chaud, hein? Fait que c'est mes nouvelles barres de cire.
Fait que c'est vrai que, hein, c'est pas mauvais de mettre ça là-dedans. Moi, j'ai pas allumé, là. Fait que ça aussi, le mandarine, mango nectar, deux fois, et blue agave. On voit que je suis dans les mêmes odeurs. Fait que voilà, c'était la commande merveilleuse de celle-ci. Bon samedi matin, et je m'offre un petit mommy time. Il est 9h pile et je suis en face de la porte du village des voleurs. Je vais aller fouiner un peu. Il y a absolument personne en ligne. Puis c'est ça, ça l'ouvre à 9h. Fait que c'est parfait. J'ai un gros sac de dons. Fait que je vais avoir 20% en espérant faire des belles trouvailles. Je vous montre ça s'il y a lieu. Ciao! J'ai juste d'arriver de mes commissions. J'étais partie 2h30. Je vais vous montrer vite ce que j'ai trouvé au village des voleurs. Écoutez, j'ai fait des belles trouvailles, mais comme on peut pas essayer, ben, je sais pas si ça va faire. Fait que j'ai trouvé un gros paquet de bulles pour les enfants. 9. Je me suis trouvé cette belle petite robe d'été. Regardez-moi ça. J'en ai vu une pareille neuve après quand j'étais allée au Galerie d'Anjou. Alors, oui. Je me suis trouvée celle-là. Ensuite, j'ai trouvé pour Charlie qui filme en ce moment. J'espère qu'il va l'aimer. Ce chandail. Ensuite, cet ensemble. Tu sais, pantalon, là. Comme ça. Noir, voilà. En espérant qu'il y ait deux trois affaires qui me font, on s'entend-tu? Ça pour les enfants. Mais pour les filles, en fait. Ça. Ça a l'air tellement petit, mais pourtant, ça dit 14-16 ans. Et ça ici, qui est une autre petite robe pour moi. Comme ça. Voilà. Puis après, ben, j'étais allée chez Winners. Et chez Old Navy pour équiper mes enfants pour la fin de l'école. Fait que j'ai acheté des affaires pas nécessairement amusantes, mais un chandail noir pour Charlie, pour l'école. Puis pour les filles, ben des pantalons, Bermuda, ben simple, comme ça. Puis pour Charlie, une autre paire de pantalons de jogging, parce que c'est ça, on n'oublie pas que c'est noir et bleu marin et blanc à l'école. Fait que c'est assez pas amusant. Et j'ai acheté pour Poggy. C'est ça qui arrive quand tu vas chez Winners, hein? Des nouvelles lunettes. Et ensuite, j'ai trouvé à Charlie des belles sandales. Et une autre paire de souliers pour l'école. Comme ça, il va en avoir deux paires. Voilà! C'est tout ce que j'ai acheté. Bon dimanche matin! On est venu se balancer au bord de l'eau avec Charlie et Simone. Charlie, tu peux enlever ton masque, on est juste ensemble. Puis c'est ça, on est venu voir s'il y avait des outardes, mais ça a l'air que ce matin, il n'y en a pas. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer ce qu'on voit, mais si je pèse là-dessus, attendez. Oh oui, regardez ça, c'est beau! On est super bien. Bon mercredi, si vous saviez le nombre de fois que je commence mes vidéos en me prenant en photo, je voudrais faire un album de face un peu weirdo. On aurait du plaisir. Fait que là, c'est ça. Moi, je me suis rendue au bureau aujourd'hui. Et puis finalement, il y avait prévu une coupure d'électricité pour des travaux. Puis effectivement, ça c'est ça la laisse concrétiser. Fait que finalement, ça donne rien de rester au bureau quand il n'y a pas d'électricité. Hein, c'est pas tant pratique. Fait que je me suis tant revenue à la maison. Le pire, c'est que demain, c'est la grève. Fait que je dois aussi rester à la maison. Mais bon, c'est pas comme si c'était des choix hein, qu'on faisait. Alors, j'en ai profité pour aller faire mes commissions. Charlie a une petite fête d'enfant en fin de semaine. Alors, je suis allée trouver quelque chose pour la fête. Là. Et puis, attendez, je vais essayer de vous montrer parce qu'à quel point, moi, je m'y connais pas en,
J'ai trouvé des cartes de Pokémon. Fait que c'est une demande du petit ami à Charlie. Alors, j'espère que ça va faire parce qu'il y en avait pas mal de sortes. Je m'y connais pas tant que ça, moi, là. Fait que, en tout cas, bref, j'ai fait beaucoup de trouvailles au Walmart, beaucoup d'épiceries pas chères. Je vois jamais au Walmart faire l'épicerie, c'est vraiment, mais vraiment rare. Et puis, j'en ai profité pour arrêter acheter mes superbes olives au Hall d'Anjou. Je me suis acheté des fraises du Québec. C'est quand même 7$. Hein? On s'entend qu'elles sont pas données. Et puis là, j'ai acheté une nouvelle plante. Oui. Fait que j'ai acheté un pot. J'ai arrêté au Canadian Tire et un sac de terre pour rempotage. Et ensuite, au royaume des projets. Oui, oui. Parce qu'à chaque année, je m'obstine. Je ne sais pas si vous voyez mon bac en bas. Il était vraiment rempli de menthe l'année passée. Puis, comme c'est des vivaces, j'étais sûre que cette année, ça allait repousser. Mais je pense que ça l'a gelé. Alors, il n'y a rien pantoute. Fait que voilà, je me suis... je me suis donné. J'ai acheté deux plants de menthe marocaine. C'est dans le but de faire des mojitos, on s'entend. De la basilic, de la coriandre puis du persil. Rien de plus, là. Je ne vais pas commencer avec de la sarriette puis des affaires que je me servirai pas de l'été parce que la plupart du temps, je décroche puis je m'en occupe plus. Fait que le but étant de mettre mes petites fines herbes ici et la menthe dans le pot que voici, que voilà. Alors, c'est des projets de jour à suivre. Eh ben, bon vendredi soir! On vient de se bourrer la face, mes amis, de bouffe haïtienne, de duo de chef ici à Rivière-des-Prairies. C'est tellement bon. Puis, c'est tellement généreux, les assiettes. C'est fou. On aurait pu rajouter facilement une autre personne. En tout cas, je suis bourrée. Et puis, j'ai reçu enfin mes rideaux pour mon salon. Mon chum qui est en train de poser ça. Il sacre. On va se le dire, il sacre. Tu sais, quelque chose qui devrait être relativement simple, je ne sais pas, mais je pense que c'est pas si simple. Fait que je me suis dit, bon, je vais le laisser dehors. Je vais le laisser gérer son rideau, là. Ben, notre rideau. Le rideau familial, oui. Puis moi, je vais aller dehors. Parce que, de toute façon, je pense pas que je serais bien utile. Fait que c'est ça. Résultat. En tout cas, ça sera pas un luxe. J'ai commandé ça, tu sais, par moi-même, là, avec les mesures. Tu sais, ça va fitter, là. J'ai espoir. Je pense qu'il y a une genre de bébite, une marmotte ou une moufette en dessous du cabanon de mes voisins. Puis Poggy, clairement, elle a le goût que la bébite sorte de là. C'est une obsession. Fait que mes enfants, ils s'arrosent en ce moment pour digérer leur griot, puis leur poutine au griot, puis leur poutine au poulet, puis tout, puis tout. Puis il fait chaud, mais on se pénira pas. Hein? Il annonce pas mal chaud en fin de semaine. Fait que voilà, je vais conclure mon vlog là, de mes deux semaines ainsi, en vous souhaitant une bonne fin de semaine et à bientôt!